Luanda est une métropole de 10 millions d'habitants. C'est une ville de contraste, beauté et authenticité, richesse et difficulté de la vie quotidienne. En compagnie de l'une des plus belles femmes du continent, nous avons découvert une ville tournée vers le futur. Notre visite débute dans la vieille ville coloniale. Michaela Reiss est une ancienne reine de beauté, la première Angolaise à avoir été élue Miss Afrique en 2007. Aujourd'hui, elle est présentatrice télé et dirige une ferme avec sa mère. La ville a beaucoup changé. Il y a eu plein de vieux bâtiments détruits et d'autres qui ont été construits. Aujourd'hui, on bâtit de nouvelles choses, car on regarde vers le futur. Le père de Michaela est portugais, mais les racines africaines de la jeune femme sont plus fortes. L'Angola est son véritable foyer. Les traditions sont vraiment importantes pour les Angolais. Nous avons le pensador, le penseur. La plupart des gens ont ça chez eux. Quand j'ai participé à Miss Univers, on devait apporter un objet traditionnel de notre pays. Alors j'ai pris ça. Même si les traditions ont une place importante dans la société, l'Angola reste un pays jeune et la nouvelle génération regarde vers le futur. La présentatrice Sophia Luca connaît bien la nouvelle scène artistique africaine qui attire l'attention de nombreux pays. Voilà l'une des femmes magnifiques qu'on trouve en Angola. Il y a une scène artistique très forte qui se développe en Angola. Il y a un groupe d'artistes qui regardent vers le passé, mais il y en a d'autres qui mettent en avant leur propre vision de l'Angola, dans leur travail et leur art. Nous poursuivons notre périple à travers la métropole animée. Ici, les contrastes sont partout et l'histoire se mélange à la modernité. L'avenue marginale est parfaite pour une promenade sur le front de mer. Un peu plus loin, nous nous arrêtons dans un restaurant de poissons sur la péninsule d'Ilia qui entoure le port de Luanda. Vous aimez les choses épicées? Là, on a du jindungu. On accompagne tout ça avec des patates douces et de la banane. Ça, c'est du manioc. On appelle ça moufette. Une fois la chaleur retombée, les habitants se retrouvent sur la plage. La plage ici à Luanda, c'est quelque chose de très important, surtout les week-ends. C'est ce qu'on fait tous, on vient à la plage, on cuisine sur la plage, on passe toute la journée ici. Ça fait partie de notre mode de vie. À la fin de la journée, nous sommes allés dans l'un des meilleurs endroits pour prendre un verre, un bar du bord de plage sur la péninsule. La vie nocturne à Luanda est sympa. Il y a plusieurs endroits où aller pour prendre un verre et écouter de la musique, des bars agréables. De retour dans le centre-ville, nous nous sommes rendus sur la terrasse du Junkembo, où nous avons assisté à un concert. La musique est très importante pour nous. On adore danser, on adore écouter de la musique quand on est tous ensemble à la maison. On a grandi avec la musique, c'est dans notre sang depuis toujours. La danse aussi. Après avoir découvert les arts, les traditions, la plage, la musique et la danse de Luanda, notre voyage prend fin. Mais nous garderons en mémoire l'accueil et la joie de vivre de ses habitants.